Efficacité, productivité. Alors, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Au deuxième tour des élections municipales 2020, il y avait à Chambéry 32 439 inscrits. Il y a eu 19 700 abstentionnistes, 12 739 votants, 164 bulletins blancs, 141 bulletins nuls ont donc été exprimés. 12 434 bulletins ont obtenu la liste conduite par Thierry Repentin, demain Chambéry, avec 6559 votes. La liste Aimé Chambéry, c'est agir avec vous, 5876 votes. Ayant nommé Micheline, Le Gagneux Mathieu, Rotelli Sarah, non. Louis Benjamin, non. 35 voix. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal présents 45, nombre de pouvoirs de vote 0, nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote 0, nombre de votes nuls 1, nombre de votes blancs 9, nombre de suffrages exprimés, donc détermination de la majorité absolue 23, pour le candidat M. Repentin 35. Le candidat Thierry Repentin ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés est installé comme maire. De la plus longue élection municipale que nous ayons connue. À travers vous qui êtes réunis ici ou dans l'amphithéâtre du manège, je veux remercier l'ensemble des Chambériennes et Chambériens et affirme ma volonté d'honorer leur confiance. Parmi eux, je salue aussi celles et ceux qui ont fait un autre choix que la liste qu'Aurélie Lemeur et moi-même avons conduite. La démocratie locale a besoin de débats, a besoin de pluralisme. Elle vit aussi car des hommes et des femmes s'engagent pour leur avenir. C'est pourquoi je veux saluer Michel Dantin et son équipe pour leur travail sincère pour Chambéry. Les valeurs républicaines qui sont au cœur de notre engagement, ainsi que le sens de l'intérêt général qui nous anime, nous appelle toutes et tous à la concorde et à la considération mutuelle. Nous avons eu l'occasion de le dire pendant la campagne. Dans le mode de gouvernance que nous proposons, une place particulière sera proposée aux élus qui ne font pas partie de la majorité municipale. Nous vous le proposerons, nous en
que chaque chambérienne et chaque chambérienne qui a participé au scrutin, quel que soit son vote, soit salué pour l'accomplissement de son devoir civique. Nous n'avons pas été élus par tous, mais parce que nous avons Chambéry en partage, nous serons les élus de toutes et tous. Si la participation a légèrement progressé entre le premier et le second tour, son niveau est, comme partout en France, préoccupant. Une telle abstention appelle de chaque responsable public une attitude à la fois d'humilité et de responsabilité. C'est celle qui sera la nôtre. Nous aurons à travailler sans relâche, par nos actes, à l'établissement d'une confiance renouvelée. Nous aurons à travailler dès l'automne pour cette confiance renouvelée sur les assises de la démocratie locale qui marqueront un moment fondateur. La ville où séjournera le grand défenseur de la souveraineté du peuple, qui est Jean-Jacques Rousseau, ne peut se satisfaire d'un contrat rompu. C'est aussi notre capacité à nous entendre entre élus pour l'intérêt général et le bien du territoire. C'est notamment la logique de l'intercommunalité. Nous avons avec notre agglomération un outil formidable au service des communes, bien entendu, mais aussi pour définir ensemble un projet commun et fédérateur qui nous tire toutes et tous vers le haut. C'est l'enjeu des transports, de l'urbanisme, de l'agriculture, du développement économique, du tourisme. À cet égard, Chambéry doit jouer son rôle. Elle doit assumer son positionnement de centre, puisqu'elle accueille de nombreux équipements et services qui bénéficient à une population qui dépasse largement ses frontières. C'est une responsabilité qui incombe aux élus chambériens par rapport à nos voisins. Nous serons à la hauteur de ces attentes. C'est pourquoi notre équipe jouera tout son rôle au conseil communautaire et défendra une candidature de rassemblement. Cette question de la confiance est fondamentale. Elle participe à la légitimité des représentants des élus. Vous le comprenez donc. Dès aujourd'hui, notre équipe est au travail, et dès cet après-midi, avec celle qui deviendra première adjointe dans quelques instants, nous examinerons, avec la direction des services de la ville, un certain nombre de dossiers qui nous paraissent urgents. L'été sera studieux. D'ores et déjà, 3 conseils municipaux se tiendront dans les prochaines semaines, avant la fin du mois de juillet. Ce rythme soutenu me paraît indispensable. La ville et l'équipe municipale seront pleinement mobilisées dans le contexte de crise que nous connaissons. Je vais proposer à Michel Dantin de prendre la parole sur le ministre. Rassurez-vous, je n'y vois pas un muselage de l'opposition à la première ministre. Mesdames, Messieurs, nous avons la chance, l'immense chance de vivre dans une démocratie. Quand nous faisons le tour du monde, trop peu d'habitants de la planète ont cette immense chance. Et il m'appartient, en vertu des valeurs républicaines, de saluer au nom de mon groupe le nouveau maire de Chambéry. Je ne peux que vous souhaiter succès pour Chambéry dans la mission qui vient de vous être confiée par les Chambériens. Nous vivons en démocratie. Nous sommes une grande démocratie. Et pourtant, à Chambéry comme ailleurs, une large majorité de nos concitoyens ont choisi de ne pas choisir, de ne pas s'exprimer. À eux, je veux dire qu'il est trop tard pour les regrets, mais je veux aussi leur dire qu'ils auront, à mes yeux, un droit limité à la critique de votre action, puisqu'ils ne se sont pas exprimés dans les urnes. Je veux bien évidemment, à travers le nouveau maire,
saluer l'équipe majoritaire. Mais je veux aussi avoir un mot pour chacune et chacun de ceux qui m'ont accompagné pendant ces 6 ans, dont certains sont à nouveau membres du conseil municipal et d'autres, je n'en doute pas, nous regardent à travers les caméras. Je veux en particulier avoir un mot pour celle avec laquelle j'ai formé tandem pendant ces 6 années, Josiane Beau, qui m'a été d'un concours précieux et avec lequel j'ai partagé les décisions pendant ces années. Je veux aussi avoir un mot pour Xavier Dulin, le président de l'agglomération, avec lequel nous avons formé un autre tandem qui a permis à notre ville et à notre agglomération de progresser. Vous voilà aux commandes d'une ville dont les finances ont été assainies, mais dont, je le dis, elle reste fragile. Et vous avez raison, monsieur le maire, la crise que nous venons de commencer et que nous n'avons malheureusement sans doute pas fini de traverser aura un impact lourd, pénible pour les finances de Chambéry. Je veux aussi saluer le personnel, tout le personnel de la ville, un personnel motivé, un personnel qui, dans la difficulté comme dans le quotidien, a su faire preuve de volontarisme, et je demande au directeur général de bien vouloir leur transmettre mes salutations les plus sincères. La ville que vous prenez en main a connu, au cours de la période qui vient de s'écouler, un rebond économique avec plus de 2000 emplois créés sur le seul territoire de la ville. Vous prenez en main une ville dont des projets sont prêts, sont en cours et sont financés. Je pense au Nord des Combes, à l'école de Verbois, aux liaisons Centre-Nord, au stade. Je pense aussi à des projets structurants pour le devenir de Chambéry, Vétrotex ou Cassine. Vous allez trouver des projets prêts pour la concertation. Je pense en particulier à celui des boulevards et du réaménagement des rues qui ont été piétonnisées dans le mandat précédent. Mais mesdames et messieurs, n'oubliez pas que la faiblesse de Chambéry, la faiblesse majeure, c'est celle du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ce n'est pas par des aides, ce n'est pas par des gratuités qu'on assurera durablement le bonheur de nos concitoyens, c'est par la nécessaire augmentation des revenus qui passe, d'une manière ou d'une autre, par la création de nouvelles richesses. Bon courage à vous.